Salut à tous, bienvenue dans le 21e épisode de la série Track Day. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une voiture qui commence à faire parler d'elle en GT, notamment en GT3 donc, la Bentley Continental que vous découvrez ici donc en mode pour passer au Corsa. Cette voiture est munie d'un V8, elle a fait ses débuts en compétition en 2014 afin de glaner l'homologation pour participer au Blancpain Endurance Series. En attendant, elle a également fait sa première course et ses classes à l'époque du côté de Dubaï aux 12 heures d'Abu Dhabi qu'elle a terminé 4e avec une voiture préparée donc en collaboration entre Bentley et le team M-Sport qui prépare également les Ford Fiesta en WRC par exemple. Vous devez sûrement avoir entendu parler d'eux. Et voilà, donc en fait, cette Bentley commence à devenir vraiment intéressante et elle a gagné sa première manche à Silverstone au mois de mai dernier, 2014 pardon, avec le championnat Blancpain qui devient vraiment là où la voiture peut le mieux s'exprimer. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire aux 24 heures de Spa par exemple. Concernant le mode en lui-même, eh bien, la voiture est très bien modélisée. On notera simplement un petit défaut, c'est qu'une fois que vous êtes eh bien, en caméra première personne, si vous souhaitez piloter à la place des yeux du pilote, il vous faudra modifier la position de base de la caméra puisque en fait, vous partez du côté gauche et c'est une voiture avec un volant à droite, donc il faudra faire la modification. Une fois cette correction effectuée, eh bien, on a une voiture plutôt sympa à piloter, bien équilibrée avec un V8 qui a beaucoup de couple, donc qui s'exprime très bien sur un tracé comme la Nordschleife. Elle est très difficile à inscrire en courbe. On sent que le poids de la voiture eh bien, joue un rôle assez important malgré qu'elle ait été forcément allégée pour la compétition. En tout cas, un comportement comme la voiture que je vous présenterai dans l'épisode 22, assez atypique et vraiment intéressant. Donc eh bien, si vous souhaitez à votre tour prendre le volant de cette GT3, eh bien, c'est dans la description de l'épisode que ça se passe. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à les poser. En tout cas, en attendant, montez le son et profitez un maximum de ce tour de la Nordschleife.